devrait sauter pour les Allemands au sol, mais les deux premières notes, Pierre, n'étaient pas très élevées non plus. Alors, tiens, ça va être dur pour eux. Korobchinski, vous vous souvenez de lui? C'est un vieux de la vieille maintenant. Champion du monde en 89 à Stuttgart, vous vous rendez compte? 5 ans après, il est encore à Dortmund pour, cette fois, la Russie. Lui, il a 25 ans. Hein. Un des plus âgés de la compétition. Et il fait toujours son travail proprement. Maintenant, la sortie. Voilà, Dubaï attend du carpé avec une brille. C'est pour l'Ukraine. Korobchinski. Il est content. Hein, parce... Allez. Avec Sharipov, un petit coup de... Ils sont contents, hein, tous ces gymnastes, quand même. Ils ont raison, ils sont presque terminés. Ils sont soulagés. Oui, mais je ne sais pas s'ils sont sur le podium, l'Ukraine, encore. On va savoir. Vous voyez la sortie. La vrille complète sur le double arrière. Il reste... avec Korobchinski, il restera Sharipov, Bisiutin et Marinic. Ça fait quand même un beau quatuor, hein, ça. Alors, Trouch, 8,90 en raison de son interruption et sa chute dans le mouvement. Vous voyez comment de 8,90 on aurait pu passer à 9,50. Et là, pour Korobchinski, la note va apparaître. C'est un il n'a pas pris de gros risques. Hein. Non, non, 9,225. Oui. Voilà. Bon. Ça monte pas très haut non plus.